Bonjour à tous, c'est Moon Angel et bienvenue pour l'épisode 21 de notre Let's Play sur Okami. Alors ça avance grandement, hein, ça fait... On est à moins d'une dizaine d'épisodes de la fin du Let's Play déjà. Alors bah, dans l'épisode précédent, nous avions dû récupérer l'orbe du dragon qui nous permettrait, enfin, qui serait un moyen alternatif de pouvoir traverser la barrière de l'Ilonie. Et maintenant, bah, il faut qu'on rende l'orbe à Otohime pour savoir qu'est-ce que nous devons en faire exactement. Alors, il y a aussi Chuzurao qui est repartie avec la peau du renard. J'espère que tout va aller bien pour elle. Directement à sa place. Oui, mais il n'y a plus de dragon, donc... Ouais, c'est un peu ça le problème, quoi. Bah, c'est Chuzurao qui l'a pris. Que se passe-t-il encore? Avec la musique qui accompagne, ça sent un peu les embrouilles. On voit Chuzurao. Oh, il a pas l'air commode le monstre qui la poursuit. La vision s'est arrêtée. Ah, de nouveau cette musique. Bah, des Chuzurao, qu'est-ce que tu crois? C'est le temple qui se trouve sur les côtes d'Hiroshima qu'on n'a pas vraiment visité. Oui, c'est ça, allez. Allez, ok, parce que Chuzurao a l'air un tout petit peu en danger, donc faudrait peut-être aller l'aider.
Ah, il faut se dépêcher en vitesse. C'est le cas de le dire. Il faut vraiment se dépêcher. Non, il faut vraiment y aller en quatrième vitesse là parce que le temps qu'on y a, il se fera peut-être déjà bouffer. Je n'ai pas vraiment envie que ça arrive. Ah, saleté de chargement, allez! Là, on est directement accueilli par Shashimaru. Toujours fidèle à son poste. Bon, maintenant l'avantage, c'est qu'on pourra visiter cet endroit sans se faire attaquer constamment par le dragon des mers, mais bon. Alors, je vais essayer d'atteindre le rivage ici. Parce que Shashimaru, il a fonction accélérée, ça va quand même assez vite. Et maintenant, on n'a plus qu'à faire une petite trotte. En espérant qu'il ne soit pas trop tard. La rue Le Temple se trouve à l'autre bout de Ryoshima. On ne voit pas encore sur la carte. Les chargements qui n'en finissent pas, c'est insoutenable dans ce genre de situation. Voilà. Voilà, il est l'espèce de cercle rouge que vous voyez... Là-bas, bah, juste à côté, mais comme il n'y a rien, faut traverser par la côte. Allez, grouille! C'est pas comme si une ou deux vies étaient en danger. La rue, j'ai fait un peu de hors-champ aussi. Et j'ai nettoyé les herbes ici parce qu'elles commençaient à m'énerver un peu. Voilà, c'était une petite anecdote comme ça. Bon, maintenant. Au lieu de parler de choses un peu futiles, on va peut-être voir si Tsuzurao va bien. Ah, que se passe-t-il? Je sais pas, mais la voir sous un aspect fantôme comme ça, non, ça me fait vraiment peur. D'accord, on doit monter les marches. Oui, d'accord. Ben, on va la suivre. On peut faire que ça. Et maintenant? Ben, elle nous demande de contourner la maison. Oh, mais c'est horrible. C'est horrible. C'est horrible de l'avoir en fantôme, j'ai l'impression que le pire est arrivé. Ouais, elle a carrément traversé le mur. On s'en manquait un passage secret ici. Et si on s'approche, on voit qu'il y a un passage qui s'ouvre. Ah, la musique a tout à coup changé, ça n'inspire rien de bon du tout. Du tout, du tout, du tout. Oh, ici, il y a quelque chose. Oh, j'ai presque peur de reconnaître les vêtements. Enfin bon, ici, il me dit que ça fait longtemps qu'elle est là, donc ce n'est sûrement pas la personne à qui j'ai pensé, et peut-être à qui vous avez pensé. En tout cas, ça fout un peu les jetons d'avoir trouvé un corps à cet endroit. Non, ouais. Non, je voulais juste couper les coffres, voilà. Bon. Oui, je sais, on est en pleine situation de... J'allais dire de stress, mais c'est pas vraiment le mot adéquat. Plutôt de tension, voilà. De tension, et moi, tout ce que je fais, c'est ouvrir les coffres. Mais il me semble que c'est le palais d'Himiko. Ah, bonne question, bon ben... Le truc c'était de chercher Tsuzurao, mais vu que ça nous a amené chez Himiko, on va peut-être aller la voir. Voir si elle aussi va bien, parce que... Oula!
Oula, il y a le garde qui a été assommé là, donc je présume que nous sommes sur le bon chemin. Même si avec la musique et tout ça, on s'attendrait un peu au pire. Alors déjà, je m'inquiète pour Tsuzurao, mais non, je m'inquiète aussi pour Himiko. Voyons voir. C'est ce couloir interminable. Voilà, mais moi je ne trouve pas les mots pour. Au moins Tsuzurao va bien, mais. Mais Himiko, c'est. Et sans Himiko, on ne peut pas voir où Liloni apparaîtra pour la prochaine fois. C'est bien contraignant ça. Si, quand même un peu. Ama s'en prend à Tsuzurao, on ne sait pas trop pourquoi. Qu'est-ce qu'elle fait? Donc on comprend pas trop ce qu'il se passe là. Donc si je comprends bien, Tsuzurao, en fait, c'est une méchante depuis le début. Attends, elle parle bien de sa forteresse, donc je pense que le roi démon s'est en fait incrusté dans le corps de Tsuzurao. Ou bien Tsuzurao est au début, enfin. Ou bien je ne pense pas que Tsuzurao ait été faite par le roi démon. Parce que sinon Himiko ne l'aurait jamais accepté, n'aurait jamais accepté qu'elle s'approche d'elle. Surtout en ce moment si crucial, on va dire. Que nous aimions tant, peut-être. Je sais pas ce que les traducteurs ont foutu, mais. Ah ouais, donc c'était vraiment une mauvaise idée de lui avoir donné cet appôt, quoi. Oui, ça signifie que nous sommes dans de très beaux draps là. Oui, donc c'est bien le roi démon. Oui, il a l'air un peu petit pour un roi démon. Oui.
Ok, elle l'avale carrément. Je sais pas si ça aurait dû l'étrangler. Alors c'est marrant, ça s'appelle Esprit de Kyubi. Et Kyubi, c'est le démon renard dans Naruto. Et justement, le roi démon, c'est aussi un renard à neuf queues, donc c'est très spécial. Oui, donc ce qu'on avait vu, c'est le moment où il a tué Tsuzurao. Et non pas Tsuzurao qui était en danger. Ouais. Au moins, ce sera quelque chose de... une bonne chose de faite si on l'achève ici. Alors ça promet d'être un combat assez... C'est dur, elle a une drôle d'épée. Oula, par contre, elle est un peu énervée, alors je vais utiliser quand même ma charme de protection. Il semble en avoir plus tout le long du jeu. C'est fou. Pourtant, j'en ai encore jamais utilisé. Allez, on va y renvoyer ses épées. Alors je vais aussi utiliser un saké de points de fer. Tant qu'à faire. Ah, regardez comme ça vite défile. Je sais pas pour vous, mais on dirait pas vraiment un combat digne du roi des démons. À mon avis, ce n'est pas encore le vrai combat. On verra bien ça. On verra bien ça après. Oh, allez, mais viens ici. Ah, maintenant, je ne suis plus protégée, mais bon. C'est pas grave. On en a de toute façon presque fini avec elle. Voilà. Ça n'a pas duré bien longtemps, en fait, finalement. Burk. Voilà la vraie forme du roi démon. Et c'est vrai que c'est un peu plus impressionnant qu'une jeune fille avec une tête de renard quand même. Bah maintenant, nous n'avons plus aucun moyen de savoir où se situe l'île Oni. C'est un peu problématique, et même beaucoup. La main même avec un tiret. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, ça fait
Ça fait au moins la dixième faute que je repère depuis deux épisodes maintenant, donc ce n'est plus bien grave. C'est très important ça. Ah, le cap du guetteur. On connaît cet endroit. C'est vrai qu'on a été quand même assez rapide. Voilà, oui, je sais où c'est. Maintenant, bon, on doit laisser le corps des Miko à cet endroit, mais c'est non, mais maintenant c'est une course contre la montre jusqu'au cap du guetteur. Nous devons nous rendre sur le champ. Alors, je sais pas pour vous, mais dire que le soleil va bientôt se coucher, enfin, en temps normal, je pense pas qu'on aurait. Enfin, qu'on pourrait se rendre jusqu'au cap du guetteur sans que la nuit tombe. Mais bon, je pense que pour cette partie de l'histoire, le temps est un tout petit peu ralenti. Ouais, il fait déjà quand même assez sombre. Les gardes là qui n'en foutent pas une, qui savent même pas qu'Emiko est morte. Tu parles de gardes. Le truc c'est qu'on peut même pas se téléporter pour aller plus vite. Nous on est obligé de tout traverser. Et c'est un peu idiot parce que c'est un peu plus long du coup. On va traverser tous ces Seiyan et puis faire le tour des côtes de Ryoshima. Ah. Ça a vraiment pas l'air de durer longtemps. Je devrais une fois essayer, si c'est possible en temps normal, de faire tout ce chemin en un coup. Voilà, on arrive au quartier populaire de Seiyan. Allez plus vite. À partir d'un moment, il devrait y avoir cette espèce d'animal bizarre qui se met à chanter. Je sais toujours pas ce que c'est d'ailleurs. Oh.
D'accord, c'est bon. La selle, il est quand même tout noir. Ça présage de nouveau rien de bon, décidément. Dans cet épisode, il y a rien qui est bon, mais bon. Il nous reste un maigre espoir, alors autant en profiter. Et utiliser tant qu'on peut encore le faire, alors... je vous le dis tout de suite, si on échoue à arriver à... aller au... Comment ça s'appelle? Oui, le Cap du Gator dans le temps imparti, bah... C'est tout simplement à recommencer, c'est même pas un game over, comme quoi... Le jeu donne vraiment beaucoup de facilité. Mais bon, c'est la beauté du jeu, fait un peu enlever ça. Voilà, maintenant nous n'avons plus qu'à avancer un tout petit peu par là. Voilà, maintenant je ne sais pas trop comment on va pouvoir traverser. Ah, il y a quelqu'un là-bas. Oui, c'est bon, mais justement, il faudrait l'atteindre avant que le soleil disparaisse, alors... Alors arrête de parler. Oui, mais il reste l'orbe du dragon. Ça promet d'être... Oh non, mais dis pas ça. On a déjà perdu deux personnes, on va pas en perdre une troisième. Voilà, c'est décidé, on va sur l'île Oni qui est tout droit devant. Je vais rester comme ça quand même, c'est... Oula! En essayant d'aller tout droit quand même. Ça donne une belle vue sur l'île Oni à travers les écailles de Otohime. Qui ne peut plus tenir très longtemps. Ah bah oui. Surtout que l'île va bientôt disparaître, donc autant qu'on soit dessus lorsque ce sera le cas. Oula. Voilà, je vais descendre de la petite Otohime, on peut encore lui parler. Ah, mais c'est bon, elle peut s'en aller maintenant, donc bon. Ouais, bah c'est bon, on a déjà le... Voilà, nous atterrissons à l'entrée de l'île Oni.
Waouh. Waouh, ça fout un peu les chocottes. Bon. Si on va essayer de traverser d'île en île, histoire que je... Ah oui, mais de toute façon, on peut pas faire de nénuphar ici. Voilà, il faut cramer directement. Donc on est obligé de traverser de rocher en rocher. Après, je ne sais plus s'il faut aller à gauche ou à droite. Il me semble que c'était... Oui, j'ai dit à gauche ou à droite alors que c'était à droite ou à gauche. C'est pas grave. Il me semble pourtant que c'était par là. Ah, voilà. Ah. Il y a une fleur ici, je sais pas trop à quoi ça sert. Ah, bah il y a un trésor. C'est toujours bon les trésors. Une perle. Qu'est-ce qu'une perle fait dans un océan de lave? N'importe quoi. Bon, maintenant, on va peut-être essayer de se trouver une sauvegarde. Ça serait bien. Je pense qu'il y en a une pas loin, donc ça devrait être bon. Par contre, je sens qu'ici... Et voilà, combat. Oh, je n'aime juste pas ces trucs. Alors, ce sera un peu le combat de la fin. Oh, ça m'énerve qu'il soit ici. C'est un peu embêtant de terminer avec, avec des abrutis pareils. Surtout qu'on ne sait même pas les toucher par l'avant, il faut les toucher par l'arrière. Par contre, à un moment, on peut briser leur masque, mais il faut un peu les assommer. Ok. Bon, ça n'a servi à rien. Ah! Ça fait mal. Aïe. Aïe. Bon, là, je l'ai fait un peu exprès. Ah, mais non, là, j'ai pas fait exprès. Je vais un peu me régénérer. Là. Ah, mais non! Voilà. Déjà, toi, tu vas te calmer. Aïe. Oh, je voulais esquiver, mais j'y suis pas arrivée. Bon, voilà. Et celui-là aussi va se calmer. C'est déjà un tout petit peu mieux. Au moins, on peut les taper de n'importe quel endroit. Oh, mais allez! Allez, cette fois, on en finit. Allez, voilà. Est-ce que t'aimes ça? Non. Bon, bah, c'était pas ça, bah, tant pis. Ouais, j'ai pris quand même assez de dégâts. Ah, là, nous devons entrer là. C'est fou que des démons construisent quand même ce genre de maison. Avec de si grandes portes. Enfin, du moins, on a bien vu la cave de la lune. Oui, d'accord. Eh ben, on fera les deux. Ah, bah voilà notre point de sauvegarde, justement. Eh ben, c'est tant mieux. Bon, bah, je vais arrêter l'épisode là, alors. Bon, le temps, ça va, on l'a assez respecté. J'avais peur de durer un peu trop longtemps. Et j'espère que cet épisode bourré en... Enfin, pas vraiment en révélation, mais en retournement de situation, justement. Avec quand même la mort de la reine Himiko et... Enfin, bon, la mort, entre guillemets, de Tsuzurao, même si elle est morte depuis le début. Allez, Otohime, il me semble, qui je sais pas si elle va survivre ou pas à sa transformation en dragon. Tout ça, on le saura bah, après avoir visité Liloni, après avoir réglé son compte au roi démon. Et tout cela, ça sera dans le prochain épisode, et j'espère que celui-ci vous aura plu. En attendant, eh bien, je vous dis à bientôt pour la suite de nos aventures.